Et Luc, on est en fin de manifestation ici à Vienne. Alors vous vous demandez que Pôle emploi peut-être fournisse du travail à ceux qui n'en ont pas. Hein ? C'est vrai que la retraite, ce projet de réforme de retraite est un déclencheur pour pas mal de choses, pas mal de problèmes, coup sur coup. Là, on a un patron, j'allais dire, un président ouais, qui se conduit comme un grand patron hein, et qui va donner des leçons en Afrique, qui va en guerre en Ukraine, et à côté de ça, qui n'a pas fait du tout ce qu'il avait annoncé, quoi. Plus de misère dans la rue, la retraite, on n'y touchera pas, voilà, il y a beaucoup de mensonges, et bon, on sait qu'on avait un patron, encore une fois, un président qui marche pour les patrons, les grands patrons. Il faudra un petit peu plus d'égalité dans cette société. Alors là, c'est la 6e journée de mobilisation. Demain, il y en a une autour de la journée des droits de la femme. Les étudiants s'y mettent le 9. À Vienne, c'est à 18h30. Oui, tout à fait. Mais alors, comment vous voyez la suite, vous, concrètement ? J'ai bien peur que ça se durcisse et qu'effectivement, il y ait des blocages, ronds-points, giratoires, un petit peu... Vous avez peur ou vous l'espérez ? J'espère que ça se passera bien, mais j'espère que ça va bloquer les choses quand même, que ça va bloquer surtout ce projet de réforme et qu'il y aura enfin une prise de conscience de tous nos élus, là, gouvernement hein, principalement, pour qu'il y ait d'autres priorités qui soient données. Pour vous qui travaillez dans le BTP, vous avez l'impression que votre sentiment est partagé, c'est-à-dire que les gens en ont ras-le-bol et qu'ils veulent vraiment que cette réforme ne soit pas mise en œuvre ? Oui, quand même, majorité. Oui, parce que c'est physique comme boulot et rien que la préoccupation d'arriver en entier à la retraite, elle est là. Donc dans le BTP, bâtiment plus que dans les travaux publics, mais dans le BTP, c'est ce que c'est que bosser.